roads are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home, back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest, the jokes the snappiest, the folks the happiest, way back home. Don't know why I left the homestead, I really must confess. La guerre ne meurt jamais. Salut tout le monde, c'est SwagFouiny97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 4, eh oui. Fallout 4. Ça fait un petit moment que je ne suis pas retourné sur le jeu. D'ailleurs, vous pouvez voir, je suis habillé avec une tenue de Mass Effect. Donc oui, ma partie est bel et bien modée. Et donc, je suis bel et bien modé. Et comme vous avez vu au titre et à la miniature, nous allons jouer à un mode qui s'appelle Fallout Miami, mini-aventure, épisode 1. Donc nous allons jouer à Fallout Miami, en quelque sorte. Épisode 1, quelques quêtes. Une énigme à résoudre apparemment. Vous allez voir, c'est pas trop mal. Le mode, le voici, Miami, mini-aventure, épisode 1. Donc, pour le télécharger, c'est très simple, il y aura un lien dans la description sur le site donc de Miami, donc de Fallout Miami même, et vous pourrez simplement télécharger le jeu. Donc là, on valide la quête, parce qu'il y a une quête à valider, simplement, et une fréquence radio à écouter. Ah oui, et alors j'ai des armes aussi. Elles sont bien énervées. Et donc, après avoir entendu cet appel radio, une quête. Et nous devons nous diriger à un endroit inconnu, un endroit un peu à l'écart de tout. C'est parti, on va se taper juste ici. Nous sommes donc arrivés devant Bethesda Comics, hein, si vous voulez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas. Je pense que j'en ai déjà fait une, donc dans la playlist Fallout 4, vous y allez, vous farfouillez un petit peu, je pense que vous devrez la trouver. Et de mémoire, ça m'a bien plu. En tout cas, le mode n'est pas très compliqué, hein, Bethesda Comics. À propos du mode actuel, il faut savoir aussi que c'est uniquement sur Xbox One minimum, donc la série X marche aussi, hein, la preuve, hein, et sur PC. Donc sur PlayStation, évidemment, vous ne pourrez pas faire cette mini-aventure Fallout Miami. Je trace, je cours, je n'affronte pas les ennemis parce qu'ils sont super puissants, ils sont très très forts dans ma partie modée. Je sais pas pourquoi, je sais pas quel mode qui fait ça, mais même un petit rat de cafard d'Arion, une gaule carbonisée, résiste à plusieurs coups de Fatman, donc bon, voilà. On court, on ne fait pas attention, on court, hein, et on se dirige gentiment, hein, et sûrement vers la quête. On va aller au fusil à pompe, à l'ancienne, je pense que c'est la meilleure des solutions, c'est d'aller aux pompes. Quand quelque chose ne va pas, quand vous ne pouvez pas tirer parce qu'il y a des bugs ou parce que tout simplement le jeu ne veut pas que vous tirez à longue distance, le pompe reste la meilleure des solutions. Voilà. Oui, c'est quand même plus simple. Voilà. Bon, les EAV, on n'en reparlera pas, mais... Piper, à la super masse. Allez, let's go. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Voilà. Oula, oh, prise de catch sur Piper. Donc même les mobs, hein, les PNJ, les PR, les Raiders, ils sont équipés d'armes modernes aussi, donc AK-47, AR-15, un bel arsenal. Allons au point parce que bah, les ennemis sont vaincus et bah, il faut avancer tout simplement. C'est plus très loin. C'est plus très très loin. Et vous allez voir que bon, la mini-quête, c'est pas non plus extraordinaire, mais... Et ça a quand même un rapport avec Fallout Miami, en tout cas avec les créateurs, parce que c'est eux qui ont créé ce petit mode, cette mini-quête, on va dire ça comme ça. Donc là, il y a un peu de bordel, un peu de corps, hein, il y en a deux, donc une bramine, quelques éléments, quelques items à ramasser. Regardez, AK-762, il y a pas mal de choses, et des figurines, etc. Un crocodile. Aussi, voilà, pourquoi pas. Et surtout, sur ce personnage-là, il y a un masque. Bon, le masque, Joseph, hein, il doit dire, on s'en fout. Pareil pour ça. Et la balle de baseball aussi. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la note. Et la note, on va la lire tout de suite. Alors, note dans Fallout 4, c'est dans divers, évidemment. Hein, à pas confondre avec note dans Fallout 76. Ok. Ok, blablabla. Bla bla. Ouais. J'ai mis là. Good stuff, back. Ok. Bon. Eh bien, ça parle d'un camp militaire, d'un campement, ça parle aussi d'un croissant de lune. Donc il faut chercher un croissant de lune et c'est dans cette direction, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Donc c'est pas bien compliqué. Le croissant de lune, il doit être en évidence, puisque apparemment je peux pas le louper. Regardez là-bas, il y a la Death Star, hein, donc l'étoile de la mort, hein, si on veut dire ça comme ça. L'étoile noire, hein, aussi, voilà, peu importe. Non, il y a l'étoile noire et l'étoile de la mort. Ici, c'est la Death Star, du coup. On avance. Et on devrait voir, normalement, le croissant lune. Enfin, je devrais le trouver, parce que... je sais pas si c'est par là, mais en tout cas, c'est sur une hauteur, ça c'est certain. Et en plus de ça, c'est visible. Donc je suppose que c'est sur une hauteur. Peut-être que c'est sur un panneau là-haut. Sur un mur, un tag, quelque chose qui réfléchit. La voiture, ok. Qui réfléchit à la nuit, peut-être. Ah, peut-être sur cette affiche, là-haut. Parce que ça correspond à peu près à la description. Hein. On va aller voir. On est bloqué, très bien. Ah oui, c'est ça, regardez, le croissant de lune est là. Le croissant de lune. Donc, il faut se diriger là-haut. On va prendre la nacelle hein, pour monter, ça va être plus simple hein, je pense, parce qu'ici il n'y a pas de jackpack. Hein. Enfin si, sans la meilleure assistée, mais mon perso n'a pas de jackpack. Voilà. La nacelle descend, on va monter et je pense qu'il y a notre dû, hein, ce qu'on cherche là-haut, ou du moins quelques informations. Bon, alors, y a-t-il les ennemis? Pas la pression, hein. L'impression que c'est vide. On va avancer prudemment et sûrement. Ok, ok. Accord, une note. On est vraiment bien installé, blablabla, ok. Cache à capsule. Pas nécessaire du coup, mais bon, j'ai pris quand même, c'est le réflexe. Hein. C'est le réflexe. Un jet. C'est dommage que le jet ils ont pas mis dans Fallout 76, hein, mais après le jet c'est pour mettre au ralenti. Bon, ralenti. Ouh, une photo. D'une carte au trésor sur Fallout 76. Ok. Un masque. Ok, bon. Voilà. Et une note que j'ai ramassée. J'ai mis là. Ah, ça, c'est la photo. Voilà, la note. Ok. Blablabla. Bla, bla. Ok, ok. Bon, j'ai entre guillemets bien compris, en gros, voilà, juste avec la photo, pas de notes, il faut trouver le coffre qui est sur la photo. Donc il faut essayer de voir un peu le décor, un peu de savoir où ça se trouve. Donc on va essayer de prendre la photo, on va regarder une fois, voilà. Donc déjà c'est dans une maison délabrée, une maison un peu cassée, des détritus, marque descente. Je pense savoir plus ou moins où ce que c'est. Pas exactement, mais je pense savoir l'endroit. Ah, ah. Ça tire, hein, ça tire. Sniper, peut-être. Ah. On va tirer dessus. Ah, voilà. On va aller le fumer rapidement. Voilà, le pompe qui est toujours, mais toujours bien efficace, évidemment. Alors, maintenant il faut trouver le corps, hein. Où est-ce qu'il est? Il n'y a pas de surbrillance ici dans Fallout 4. Peut-être en mode, en tout cas ici il n'y en a pas. Alors, il est là. Donc son inventaire, qu'est-ce que c'est? Des capsules, des munitions, un masque de loup, tout simplement un Wolf Mask et une AK. Ok, très bien. Et ben l'endroit n'est pas très loin puisque du coup ben il y a un membre de leur secte, groupe, chose comme ça. Donc ah bah le voilà, donc le fameux coffre. Est-ce qu'il est comme la photo? Est-ce que c'est bien l'endroit indiqué sur la photo? En tout cas ça ressemble, hein, vous pouvez le voir. Ça ressemble, donc je vais l'ouvrir hein, et on verra ce que ça donne. Peut-être un piège, peut-être un leurre, peut-être un faux coffre. Génial. Ah, une arme dedans, un Uzi, très bien. Ok, 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 10 mm, 31 de dégâts, c'est pas foufou non plus. Hein. Mais est-ce que c'est bien? Ah oui, il y a le croissant de lune, vous avez vu? Il y a le croissant de lune sur la crosse. Donc c'est bel et bien ça, le téléphone, un peu de silence. C'est bien ça qu'on cherchait. Voilà, donc maintenant on va essayer de tester l'arme hein, pour savoir ce que ça donne sur un ennemi. Ah bah voilà, celui-là. Celui-là il est un peu gros, mais il est en fin de vie. Donc je me dis peut-être que ça pourrait passer. Ah oui d'accord. Alors l'arme, bon. On ne jugera pas de l'arme, hein, parce que bon, elle est un peu claquée, hein, on va se le cacher. On va voir ce que ça donne. Non, non, les dégâts sont... Ils sont aberrants, mais dans l'autre sens du terme en fait. Dans le sens où c'est claqué. C'est claqué. Regarde dans les SVAV, pareil. Hein. Je pense que le pompe reste la meilleure des solutions. Alors, le pompe a réponse à tout. Le pompe réponse à tous les problèmes. Sortez le fusil à pompe, hein, comme on dit. Voilà. On va essayer de trouver d'autres ennemis. On a des super mutants jusqu'ici. Donc je pense qu'on va pouvoir reprendre l'arme et essayer hein, de faire quelque chose avec. Ouais bon, voilà, pas beaucoup de dégâts, c'est normal, les ennemis sont en mode Dark Souls, difficulté Dark Souls dans Fallout 4. Donc là, Piper à Superma, ça fera rien du tout non plus. Ça fait 0 dégâts, même sur la PNJ, hein, regardez. J'ai pas réussi à tirer, super. Donc ça fait pas énormément de dégâts, hein, et c'est un peu claqué, je vais assis dans tous les sens, SVAV pourri aussi. Allez, let's go! De la drogue et un fusil à pompe. Voilà, c'est les maîtres mots dans ce jeu, dans Fallout 4, les drogues et le fusil à pompe. Oui, ils sont quand même difficiles à tuer. Hein. Piper qui ne met pas hein, vraiment avec ses super masses, hein, qui fait juste diversion, ou, voilà, qui sert de divertissement, on va dire ça comme ça. Voilà, donc lui il est mort. Ensuite, celui-ci, alors c'est bien parce que il tombe. Bon, la PNJ, hein. J'irai contre toi, mais ton pseudo est en rouge, donc et ben forcément que tu es un ennemi. Donc Piper, un avis sur la situation, Piper. C'est vrai, mais tu as un joli joujou entre tes mains, Piper. Donc voilà. Oh, la voie lactée, très jolie. Et la Death Star toujours là-haut, hein, qui nous surveille. On va modifier l'arme, donc voici. Ce qu'on peut faire avec l'arme, il y a pas mal de choses à faire. Donc canon, crosse, viseur, baïonnette, silencieux, etc. Et même la peinture normalement. Oui c'est ça. Voilà ouais. Enclave. Hein. Enclave, institut, milicien, un peu de tout, un peu de tout. Mais évidemment l'enclave, hein, parce que l'enclave, c'est quand même une faction assez incroyable. Et donc voilà, pour cette vidéo. J'espère que vous aurez plu, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez déjà cette mini-quête, ou si vous allez la jouer, et si vous avez téléchargé le mode. Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas du coup à liker, à commenter pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description vous retrouverez le Discord, questions, aide, entraide, Twitch, je suis en stream tous les vendredis, dimanches à 20 h lorsque j'ai le temps, la chaîne secondaire pour les rediffusions de mes streams, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et moi comme d'habitude je vous dis, comme d'habitude, bye tout le monde.